Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence la première d'une série de vidéos qui sera consacrée à l'histoire de Draenor. Draenor, hein, le monde natal des orques, le monde d'origine des orques. Eh bien, on va revenir un petit peu sur cette planète. Planète qui, au final, est un petit peu la planète la plus importante de l'univers de Warcraft après Azeroth, qui a ce côté un petit peu planète sœur, même si elles n'ont pas vraiment de lien, enfin, à part celui que vous voyez là, le fait d'avoir la porte des ténèbres qui connecte les deux planètes, elles n'ont pas véritablement de lien, elles sont même pas tout à fait pareilles, même s'il y a des choses similaires, il y a beaucoup surtout de points de différence. Et au final, bah ouais, Draenor, c'est un peu la jumelle d'Azeroth sans véritablement lien, quoi. C'est des sœurs de sang, plus que des, enfin c'est plus des sœurs d'armes que des sœurs de sang, j'ai envie de dire. L'objectif de cette vidéo et des vidéos relatives à Draenor sera de comprendre l'histoire du monde d'origine des orques et d'amener le contexte de leur invasion lors de Warcraft 1 par rapport aux orques, bien entendu. Et elles arrivent aussi dans le giron de la vidéo prévue sur Warlords of Draenor. Alors, rien qu'avec cette première phrase, eh bien on peut déjà voir que les difficultés commencent. Et oui, en effet, quelle histoire ? L'histoire de Draenor, c'est bien mignon, mais est-ce que c'est l'histoire de notre Draenor ? Est-ce que c'est l'histoire de la Draenor alternative ? Eh ben voilà. Merci Warlord of Draenor pour ça, rien que ça. C'est la première fois hein, dans une vidéo de lore que je dois évoquer dès la première diapo, je dois vous dire. Alors bah il y a un problème, c'est que on sait pas vraiment si c'est notre histoire ou pas. Parce que sur quoi on se base? Sur quoi se base-t-on? Eh bien on va se baser sur la source principale de l'histoire de Draenor, c'est Chronicle volume 2 qui est sorti pendant Légion, donc 2017 je crois, entre 2016 et 2017. Et en fait, eh bien, ce bouquin, il est intéressant, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu et ont apprécié, mais le truc, c'est que c'est quasiment exclusivement du Warlord of Draenor, qui est une timeline alternative, donc qui n'est pas notre histoire. Et voilà, ça commence déjà. On a à peine commencé la vidéo et ça commence. Et ça, c'est un petit plaisir Warlord of Draenor, sachant que avec ce qu'on a pu voir avec Eva sur la préparation de la vidéo sur Warlord of Draenor, c'est encore plus pernicieux que ça parce que ça a même été écrit dans l'esprit de World of Draenor. C'est-à-dire que il y a des choses qui semblent être exclusives à Chronicle 2 par rapport à Wood. Et en fait, c'est des projets de Wood qui n'ont pas pu sortir parce que la sortie de Wood a été catastrophique. Et donc, eh bien, on assiste à des choses où on se dit « Ah bah tiens, Chronicle innove. » Bah en fait, pas du tout. C'est dans Wood. Enfin, ça aurait dû être dans Wood. Et il y a certains petits trucs qui sont détaillés dans Chronicle par rapport à Wood, hein, où on va un peu plus loin. Donc voilà, c'est toujours difficile parce que pour nous, eh bien, on navigue en eau trouble puisque bah, globalement, il y a des trucs, c'est notre histoire et de l'autre, bah, c'est la timeline alternative. Et comme en plus, bah, les écrivains de Blizzard peuvent faire des erreurs, et on est toujours en mode, bah, est-ce que du coup, c'est une erreur volontaire ou est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est... Voilà, il y a toujours ce doute en fait qui va planer en permanence si est-ce que c'est dans notre canon ou pas. Parce que bah, c'est peut-être l'histoire de Wood et pas notre histoire à nous de Draenor. Et pourquoi, vous allez me dire, bah, pourquoi ils se sont fait chier à faire ça? Au contraire, c'est de la flemme. Puisque l'idée, c'est quoi? C'est que ils se sont cassés le cul pendant, allez, on va dire, entre 2 et 4 ans à écrire l'histoire de Warlord of Draenor. Eh bien, autant récupérer ce boulot, ce temps, cet argent, en disant que c'est aussi notre histoire. Et quand il y a un problème, on dit que c'est alternatif. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes dans Chronicle 2 aussi. Ça c'est embêtant. Allez, on va pouvoir continuer. Et aujourd'hui, donc Draenor a pas mal de noms. Pas mal de noms. Aujourd'hui, Draenor est surnommé l'Outre-Terre. C'est important de le rappeler, puisque bah, parfois j'évoque Draenor pour parler de l'Outre-Terre. On me dit, bah non, certains considèrent que c'est une erreur. Bah non, c'est pas une erreur. Hein. L'Outre-Terre, c'est Draenor. C'est juste que c'est le nouveau nom qu'on lui a donné. Mais Draenor porte différents noms et notamment eh bien rien que son nom eh bien c'est le nom donné par une race qui n'est même pas originaire de cette planète, à savoir Draenor. C'est ça vient des Draenei, ça vient du langage des Draenei, dans le langage Eredum, qui signifie la terre des exilés. Et donc nous sommes sur Draenor des millénaires avant qu'elle porte ce nom précis. On pourrait se dire que c'est totalement anachronique, mais bah, c'est le nom qu'on lui a donné pendant très longtemps et c'est le nom principal. On y reviendra un de ces quatre sur d'où vient vraiment ce nom Draenor avec les Draenei bien plus tard. Et c'est un temps où la Légion Ardente n'existait même pas. Là on est en train de vraiment de remonter complètement l'histoire de Draenor.
Donc on en parlera dans la cosmogonie, même si évidemment le problème c'est que cette première vidéo va traiter d'une large bande historique. Donc même à placer sur la playlist Warcraft, ça va être compliqué parce que là il va y avoir des millions d'années, voire des milliards d'années qui vont s'écouler. Hein. Donc on est obligé de commencer au commencement, mais la fin de cette vidéo arrivera plus tard, donc je pense qu'on pourra la mettre plus loin. Mais au final, au départ, il n'y avait même pas de Légion Ardente au moment où on parle de cette période. Ça, vous évoque l'âge et le temps qui s'est écoulé. Draenor est un astre sans âme monde, donc une planète qui n'a pas de titan en son cœur. Et là, on voit déjà une différence avec Azeroth, puisque Azeroth, il y a un titan qui grandit dans son noyau. C'est pas le cas pour Draenor. Malgré cela, elle habite bien les cinq éléments, tout comme Azeroth, avec le feu, l'eau, la terre, l'air et la vie, l'esprit. Et en l'occurrence, sur Draenor, il y a une particularité, c'est que le cinquième élément, l'esprit de la vie, va très bien. Contrairement à Azeroth, où il s'est fait aspirer cet élément par le titan en gestation, eh bien l'esprit de la vie va très très bien en Draenor, voire plus que bien. Il s'épanouit tellement qu'il va commencer à phagocyter les autres éléments. L'élément dominant, du coup, va être à l'image de son esprit élémentaire principal, à savoir la faune, enfin, qui va dominer du coup la faune et la flore, et qui va faire en sorte que cette dernière gagne en intensité, à savoir la flore. Avec le temps, la flore prend le dessus et se hisse au sommet de la chaîne alimentaire. Des plantes carnivores géantes vont apparaître, les mégaspores. Toujours plus assoiffées de biomasse, elles vont commencer à vraiment pomper absolument tous les êtres vivants qui l'entourent. Elles vont étendre également leur vrille partout sur Draenor à la recherche de nourriture. Donc c'est des espèces de super prédateurs qui bouffent absolument tout ce qui est autour d'eux, et même les éléments ne sont pas à l'abri de cette menace. Les mégaspores en perpétuelle évolution vont finir par acquérir une conscience collective avec le reste de la vie végétale, de par leur lien avec l'esprit élémentaire de la vie et donc de l'esprit, et collectivement vont se faire connaître sous le nom de Lassie. Lassie ou Lassis, prononcé soit à la très ancienne, soit à l'actuelle, donc Lassie récemment ou Lassis à l'ancienne. Et donc, eh bien, lors de ces pérégrinations, il y a un titan, Aggramar, qui va rencontrer Draenor et qui va être intrigué par ce monde et sa particularité. La particularité étant la domination de l'esprit élémentaire de la vie, donc de l'esprit. Mais c'est compliqué à dire parce que c'est l'élémentaire de l'esprit. Et au final, il y a une absence d'équilibre qui ne peut qu'aboutir à une fin cataclysmique, à savoir, à un moment donné, en fait, le Lassie va tout dévorer, et à la fin, comme il n'y aura plus de nourriture, et bien, il va s'entre-dévorer, et ce qui laissera une planète desséchée, sans plus aucune vie. Donc au final, et bien, Aggramar, en tant que titan, en tant que garant de la vie, en tant que garant de l'ordre, et bien, va finalement se dire qu'il ne peut abandonner cette planète à son sort, il ne peut t'empêcher d'intervenir, et du coup eh bien, il va vouloir ramener l'équilibre. Intervention directe sur Draenor. Alors le truc c'est que l'intervention directe, trop directe, s'avérerait dangereuse pour la planète. Donc il sait qu'il ne pourra pas rester indéfiniment. Donc il va vouloir créer des serviteurs à son image, des avatars, des gardiens, pour pouvoir tempérer le Lassie. Il ne veut pas oblitérer le Lassie, parce qu'il sait que le Lassie a sa place dans l'équilibre naturel de Draenor, mais il faut le contrôler, il lui faut son garde-fou. Alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ça se passe avant la découverte de la planète Azeroth, pour garder un trace chronologique. Et ce qui est intéressant, c'est que Aggramar va avoir la prescience de ne pas mettre un grand coup de poing dans la gueule des mégaspores directs, ce qui sera l'erreur faite sur Azeroth, avec Amantul qui va arracher un dieu très ancien, et ce qui va endommager la planète, encore aujourd'hui, elle est marquée de... Elle a encore le stigmate de cette blessure, hein. Donc, Aggramar, apparemment, il devrait parler un peu plus, parce qu'il pourrait donner de bons conseils, puisqu'il avait ce petit don de prescience. Il savait qu'il fallait pas qu'il intervienne directement, sinon il pouvait endommager la planète. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Vraiment, le don de prescience est parfait. Ensuite, donc, Aggramar va balayer la... Alors, il ne veut pas intervenir directement pour endommager la planète, mais là je ne fais que citer du Chronicle. Il va balayer le monde de sa main colossale et tissa ses énergies de feu, d'air, de terre et d'eau dans une tempête élémentaire massive. Il canalisa cette tempête au sommet de la plus haute montagne de Draenor, ce qui anima la montagne et forma
cette montagne de vin Gronde forme l'entité appelée Gronde, le gardien d'Agramar, hein, globalement, l'avatar d'Agramar sur Draenor. Alors, ce qui est quand même génial, parce qu'il dit qu'il veut pas intervenir directement pour endommager la planète, mais il la chope. Il la chope par la culotte, comme ça, là. Calme-toi, Draenor, avec Draenor, Agramar, quand même. Bon, il veut pas trop l'endommager, mais bon... Enfin, je veux dire, quand un titan fait ça sur une planète, ça peut mal finir. Ça peut mal finir, quand même. Mais bon, intervention un peu différente. Au final, Gronde va se mettre en marche afin de ramener l'équilibre à grands coups de poing dans la gueule. Hein, c'est comme ça que font les titans. Et globalement, eh bien, il va marcher jusqu'à la mégaspore la plus proche. Il va l'arracher du sol et il va la réduire à l'état de compost. Donc on peut considérer que Gronde est une sorte de jardinier, hein, sous l'œil bienveillant de son créateur, Agramar, qui regarde ça avec des pop-corn, évidemment. Et au final, la conscience collective des mégaspores va faire en sorte que quand la mégaspore meurt, eh bien, toutes les mégaspores vont entendre son cri de détresse, on va dire, hein, son cri psychique, ce qui va faire frémir les autres lors de la mort. Alors, peut-être que vous dites à ce moment-là que ça fait quand même vachement StarCraft. C'est possible, c'est possible, hein. Il y a peut-être un truc, une conscience collective, une entité qui veut tout bouffer et faire dessécher les mondes. Quand il y en a un qui meurt, il y a la conscience collective qui frémit. Peut-être que effectivement, il y a peut-être une inspiration, peut-être. Peut-être aussi que leur lignée, enfin, on y reviendra. Peut-être qu'ils collectent l'essence, tout ça, oh, peut-être. Ah, on sortait d'Earth of the Swarm et de Legacy of the Void. Peut-être que... Oh, voilà. Allez, donc on continue. Les trois autres mégaspores, parce qu'il y en avait 4 au total. Eh oui, 4 suffisent pour ravager le monde. Et les 3 autres mégaspores alertés de la menace, justement, eh bien, vont... Alors, on ne connaît pas le nom de la première mégaspore, mais les 3 autres, on connaît leur nom, on va y revenir juste après. Et donc, vont pomper l'énergie vitale de la zone dans laquelle elles étaient stationnées. Et donc, les 3 dans l'ordre, Zang... qui ressemble beaucoup plus à, on va dire, un aspect champignon, même si on sait que c'est pas de la... Je sais, pour les biologistes en herbe, même les botanistes en herbe, oui, les champignons, c'est plus dans la faune que la flore, mais que voulez-vous, Blizzard n'est pas... ce sont pas des champions de la biologie, donc, mégaspore, végétal, flore, eh ben, il y a un champignon. Et donc, nous avons Zang, le champignon, Botan, globalement les vignes, et Nahanu, qui représente un peu plus le lierre et la végétation elle-même. Donc, voilà, les lianes, on va dire plutôt les lianes pour Botan et le lierre pour Nahanu, afin de se préparer à affronter Gronde. Donc, en gros, elle pompe, se mettent pour se renforcer afin d'affronter la menace. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect de conscience collective, donc elles marchent à l'unisson, et elles vont se coordonner parfaitement pour attaquer, pour arriver au même moment et pouvoir attaquer la menace en même temps, grâce à leur connexion mutuelle, évidemment. Gronde était un adversaire de taille, au sens propre, hein, d'ailleurs, hein, puisque bah, c'est une montagne. et même à 3, connectés ensemble dans la conscience collective du Lassie, cela ne suffisait pas. Les 3 mégaspores n'arrivaient pas à battre Gronde. Zang et Nahanu, hein, 2 des 3 mégaspores, vont se faire désherber et leur reste, en retombant, vont former les 2 grandes zones que l'on connaît comme la mer de Zangar et la jungle de Tanan. Du coup, eh bien, malgré sa victoire, notre cher Gronde reste affaibli. C'est quand même un combat très difficile, très délicat, et Botan va profiter de ce petit moment de répit où Gronde souffle pour pouvoir eh bien, absorber les énergies des 2 mégaspores mourantes. Botan va se renforcer considérablement à ce moment-là, le rendant de taille à vaincre Gronde, et eh bien, il va pouvoir l'attaquer, comme on le voit sur cette image, de partout, avec vraiment ces lianes qui vont s'étendre et qui vont petit à petit faire plier Gronde et qui vont finalement terrasser le colosse, hein. Alors mauvais choix de mots, c'est colosse parce qu'on va y venir après, ce sont les enfants de Gronde les colosses, mais au final, eh bien, il va détruire la montagne, globalement, la montagne tout simplement. Et en chutant, le corps de Gronde va former des chaînes de montagne que l'on connaît, les chaînes de montagne de Nagrand, avec notamment le trône des éléments. Et là vous allez me dire, mais pourtant c'est marrant, il y a une zone dans Wood qui s'appelle Gorgronde. Eh bien, oui, sauf que dans Chronicle, c'est les montagnes de Nagrand. Et là, vous allez me dire, mais attendez, Malga, il n'y a pas de montagne à Nagrand. Ah
C'est une excellente remarque. Alors, je vous rappelle que dans l'Ascension de la Horde, Nagrand a des montagnes, et c'est les montagnes où vivent les Frostwolves, vivent les loups-givres, les orques loups-givres, et les montagnes de Nagrand auraient dû être dans World of Draenor, mais finalement, elles ont été écartées, puisque fallait que Nagrand ressemble à celle de Burning Crusade. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, c'est World of Draenor. Mais il semblerait qu'une partie du corps de Grond, même si non présent dans Chronicle 2, qui, je le rappelle, est la source principale de cette vidéo, eh bien, il y a un tweet de Matt Burns qui évoque le fait que, effectivement, parce que quelqu'un lui a posé la question, mais au final, Gorgrond, ça veut littéralement dire le corps du géant, donc le corps de Grond, tout ça. Donc, c'est bizarre que dans Chronicle 2, il n'y ait pas. Enfin, c'est pas exactement comme ça que c'est formulé, mais globalement, est-ce que c'est un lien vis-à-vis du corps de Grond? Et la réponse a été oui, globalement. Donc, Chronicle nous dit que c'est en Nagrand. Finalement, Blizzard dit « Ah, en fait, on a peut-être oublié Gorgrond. » Donc, il semblerait qu'il y ait une partie du corps de Grond qui ait formé Gorgrond. Voilà. Mais, globalement, c'est Nagrand. Ce qu'on nous dit, c'est Nagrand. Ce qui est très drôle, parce que d'ailleurs, en plus, c'est cette image qui est utilisée dans Chronicle 2, qui est le trône des éléments. Hein, le trône des éléments, c'est l'endroit où les éléments sont le plus puissants, sont rassemblés, etc. Et le trône des éléments... Eh bien, donc on va y revenir juste après. Mais le trône des éléments, ce qui est génial, c'est que c'est montré avec des roches qui flottent. Sauf que ça, c'est de l'outre-terre. Hein, donc c'est d'après Warcraft 2, après la destruction de Draenor, les rochers qui flottent. Donc ça n'a rien à foutre là dans une vidéo qui parle de l'origine de Draenor. Voilà. Quand on vous dit que Chronicle 2, bon, histoire alternative, tout ça... Là, il y a des ratés, quoi. Il y a des petits ratés. Voilà. C'est pas maîtrisé, quoi. C'est pas maîtrisé. Donc, finalement, la mort de Grond libéra les énergies élémentaires primordiales. On vous rappelle que Grond était une union des quatre esprits élémentaires dans cette tempête d'énergie primordiale, en plus de la montagne, qui lui avait donné vie. Et donc, eh bien, ça va permettre aux éléments de reprendre une forme physique pour la toute première fois dans l'histoire de Draenor. Donc les élémentaires de feu, le seigneur élémentaire de feu, le seigneur élémentaire de terre, le seigneur élémentaire de l'eau et le seigneur élémentaire de l'air. Qui est très rigolo, qui s'appelle Calandrios. Ils s'unirent... Il est même pas rigolo, c'est juste... Bon, bah, ils s'unirent pour... Les quatre seigneurs élémentaires vont s'unir pour former des bassins de puissance. Ce qui est rigolo d'ailleurs, parce que les bassins de puissance, c'est un truc annulé de Wood. Des endroits très importants des quatre éléments, tout ça, c'est un truc annulé de sur Wood. Mais on en reparlera dans la vidéo sur Wood où... On a la carte d'origine de la bêta et on avait justement ces centres de pouvoir. Et d'ailleurs, Nagrand était justement celui des vents. Au final, il y avait Ashrand qui deviendra Gorgrond, qui était celui du feu. Et les deux autres, il y en a... Ah non, pas du feu. De la terre? Je sais plus. Parce que feu, je crois que c'était Péninsule des Flammes Infernales. Enfin, ce qui dans leur tête est Péninsule des Flammes Infernales. Et l'eau, par contre, je sais plus du tout. En tout cas, donc... Ils s'unirent pour former les bassins de puissance et c'était possible de prendre des formes élémentaires car le Lassie avait siphonné l'esprit et donc eh bien en siphonnant l'esprit ça a fait que les quatre autres ont récupéré leur puissance contrairement à, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de seigneur élémentaire de l'esprit sur Draenor, c'est qu'il s'est fait bouffer par le Lassie. Donc en gros le Lassie c'est un peu la représentation de l'esprit et au final eh bien, ça va aussi augmenter le nombre d'élémentaires sur Draenor, parce qu'il y a le seigneur, il y a les seigneurs élémentaires qu'on a vus, hein, ce qu'on appelle les furies primordiales, les furies élémentaires, mais au final, enfin pas primordiales, excusez-moi, furies élémentaires, mais au final, le nombre d'élémentaires basiques va croître grâce, ou à cause, tout dépend du point de vue, de la destruction de Grond. Mais cette bataille cataclysmique entre les Mégaspores et Grond va avoir d'autres conséquences. Là, on a nos petits copains qui sont là, tout simplement. C'est les zones évoquées suite à la mort des deux mégaspores Botan et Nahannu. Eh bien, vont créer donc la jungle de Tanan et la mer de Zangar. Mais de leur reste, vont également émerger des organismes végétaux, des Génésors et la lignée des primordiaux. C'est pour ça que j'avais dit pas les primordiaux. Parce que la lignée des primordiaux, c'est le nom de tous ces êtres fleurs. On va y revenir après, tous ces êtres végétaux. Et du coup, mycélien aussi. et au final, eh bien, c'est des sortes de dieux végétaux, avatars du Lassie. On pourrait, pour rigoler, les appeler les mini-spores, parce que si les mégaspores sont les entités suprêmes de la flore de Draenor, les génésors, c'est les mini-spores, quoi. Ça reste des dieux, mais pas au niveau aussi important que les une mégaspore. Et donc,
vont devenir carrément les avatars du Lassie en l'absence de Megaspore. Mais il reste une Megaspore, on va y revenir juste après. Et des restes de Gronde vont également émerger d'autres organismes, on l'a évoqué, les élémentaires. Mais en dehors des élémentaires, eh bien, il y a les Colosses. Les Colosses, ce sont les enfants de Gronde. Là où les Génésors forment les mini-Mégaspores, les Colosses forment les mini-Grondes. Donc, il va y avoir justement Botan et ses Génésors qui vont reprendre les terres conquises par Gronde, hein, profite de la mort de Gronde pour conquérir tous les territoires et s'émanciper, grandir, croître. Et au final, eh bien, Agramar entend l'appel d'un constellaire qui, je le rappelle, est un représentant des titans sur une planète protégée par les titans. Et du coup, eh bien, il doit se hâter de partir, mais il ne peut pas partir en laissant le Lassie victorieux. Donc il va fusionner des disques titans qu'il va implanter dans des colosses, hein, les mini-grondes. Et au final, eh bien, alors quand on dit un mini-gronde, vous dites un tout petit truc, mais gronde, c'est géant, hein. Donc c'est une montagne. Enfin, il a formé ça, son corps forme deux chaînes de montagnes. Donc bon, voilà, c'est costaud quand même. Donc je les appelle les mini-grondes, mais le mini-gronde, il est plus grand que tous les êtres qu'on connaît, quoi, quasiment. Mais au final, eh bien, il va fusionner les disques titans aux colosses pour les aider à finir l'œuvre de Gronde et à battre le Lassie, car il devait partir. Et c'est d'ailleurs en répondant à l'appel du constellaire qu'Agramar trouvera la mort face à Sargeras, qui lance la Légion Ardente pour la première fois. Donc voilà pour vidéo d'ordonnancement et vidéo de la cosmogonie pour ce qui est de la destruction du Panthéon Titan. Et donc, en l'occurrence, eh bien, Agramar a tout simplement intégré des cartes SD aux colosses. Et grâce aux cartes SD d'Agramar, eh bien, les colosses vont finalement déborder Botan, la dernière mégaspore, et l'envoyer au paradis des plantes, hein, qu'on appelle également Jardiland. Là, c'est de l'humour, hein, évidemment. Mais ils vont tuer la dernière mégaspore. Et en mourant, Botan va former la zone que l'on connaît sous le nom de Farallon ou Farallon, que vous n'avez jamais pu voir dans World of Honor car c'est du contenu annulé. De ces morceaux vont émerger ce qu'on appelle des primordiaux, que j'ai déjà évoqués, donc des Génésors évidemment, mais en beaucoup plus grand nombre, puisque les Génésors restent très peu. Nous avons les Botani, la lignée des primordiaux que vous voyez ici, donc tous les êtres de Flore. Donc les Botani que vous voyez juste là, là les grands, le grand croyant, l'espèce de Zenyatta en plante. Nous avons ensuite les Boglins, les Sporellins, etc., qui sont les tout petits primordiaux, sont les mini-Botani, hein, globalement. Et au final, eh bien, la guerre entre les enfants de Gronde, qu'on appelle la lignée des briseurs, mais je vais y revenir juste après, et les enfants des Mégaspores, donc la lignée des primordiaux, va continuer. Les Génésors contre les Colosses, c'est le nouveau round qui va se lancer. Et sachant qu'en mourant, Botan, donc la dernière Mégaspore, avait libéré des spores qui eurent comme effet de nerf globalement les Colosses, qui va petit à petit les faire dégénérer. Pas qu'il soit débile, c'est juste qu'il va y avoir une espèce de dégénérescence. Globalement, pour que ce soit plus simple à la compréhension, c'est la malédiction de la chair, mais version Draenor. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec les dieux très anciens. Mais globalement, c'est une malédiction de la chair pour les colosses. Ce qui fait que bah, ils vont pas réussir à augmenter leur nombre, bien au contraire. Et ils vont petit à petit mourir, et certains vont dégénérer et devenir plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, ce qui fait que la lignée des briseurs va devenir de plus en plus petite. Et alors ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, sur la généalogie des orques, et un jour on fera probablement la généalogie des ogres, on pourra consacrer un peu plus de temps. Mais globalement, eh bien, la lignée des briseurs, ça va commencer par les colosses, que vous venez de voir juste avant, hein, donc cette image-là, ça c'est les colosses. Et au final, on va en reparler d'ailleurs des colosses après. Mais donc, les magnarons, de gauche à droite, hein, les magnarons, les grônes, les ogres, les ogres, les gorennes et les orques. On va dire que c'est moi là, hop, les orques. du coup, eh bien, avec cette dégénérescence va s'accompagner la perte de savoir et de connaissances qu'avait confié Agramar. Vous savez, dans les cartes SD, là, hein, les disques titans. Disques titans, c'est un des trucs qui aurait dû être beaucoup plus en avant dans World of Draenor. Et il y a quelques traces encore, mais globalement, c'est plus trop présent. Mais c'est ça, en fait, hein, c'est l'héritage des terraformeurs, hein, c'est ça, hein, l'héritage des titans. Sauf qu'au final, la lignée des briseurs va complètement perdre de vue ce rôle qui avait été incombé aux colosses et à Gronde, à savoir garantir l'équilibre
sur Draenor. Ce qui fait qu'en fait, bah, les primordiaux et les briseurs vont continuer à se foutre sur la gueule, mais les briseurs, eux, ils savent pas vraiment pourquoi. Voilà, ils font la guerre, mais ils savent pas pourquoi, ils sont savage, et c'est tout. Donc, la carte des conflits primordiaux versus briseurs, comme vous pouvez la voir ici, petit à petit, la guerre va descendre d'échelle, puisque les Genésors se font de moins en moins nombreux, les colosses aussi. Donc on va descendre un petit peu en échelle, et au final, eh bien, ces êtres vont rentrer dans la légende. Il y aura quasiment plus de Genésors, et les rares Genésors qui vont continuer à être là seront révérés complètement par les primordiaux comme des dieux plantes, et bah, les colosses vont laisser leur place aux Magnarons, qui eux seront considérés comme des êtres omnipotents pour les briseurs. Et au final, cette carte, alors, il y a une petite modif qui a lieu sur les flèches d'Arak pour vous montrer, enfin, la flèche d'Arak d'ailleurs, pour vous montrer que nous avons une carte un peu plus propice à l'époque, mais le reste, c'est de l'officiel. Et au final, la carte est critiquable. Pourquoi? Eh bien, parce que, déjà, Nagrand est en vert. Je rappelle, Nagrand, c'est là où est tombé Gronde. C'est là où... Normalement, on a la concentration la plus massive des enfants de Gronde, de la lignée des briseurs. Donc avoir du Nagrand en vert, c'est complètement débile. Et vous allez me dire, oh. Et là, je vais vous dire Farallon. Est-ce qu'il y a du rouge sur Farallon? Non, c'est l'endroit où une mégaspore est tombée. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas de rouge. C'est le QG du Lassie. Le QG du Lassie, les botanies, c'est globalement à Farallon qu'ils sont. Donc c'est logique qu'il n'y ait quasiment pas de rouge. Pourquoi en Nagrand, il y a du vert? Et moi, je sais très bien pourquoi il y a du vert en Nagrand. Pourquoi à votre avis? Bah parce que Nagrand, il y a de la végétation, c'est beau. Du coup, le joueur de haut, s'il voit que du rouge sur Nagrand, il va dire c'est pas normal. Donc on va mettre du vert. Même si ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'on raconte. Ensuite, là, ce qui est intéressant, alors c'est pas forcément incohérent, mais c'est assez intéressant, c'est que la carte de Gorgrond, vous pourriez vous dire, mais attendez, moi quand j'ai joué à Wood, il y avait beaucoup plus de végétation que ça. Eh bien c'est normal, c'est la carte de l'ancienne Gorgrond. Avant qu'elle s'appelle Gorgrond, elle devait s'appeler Ashrand, ou Ashrand, vous pensez comme vous voulez, pas à confondre avec Ashran, hein, bien sûr. Et au final, eh bien, Gorgrond devait être principalement de pierre, sauf un petit bout qui était l'offensive depuis Farallon des primordiaux. Et bah ça, on a un peu perdu de vue avec la fusion Farallon-Gorgrond des intrigues. Et bien, comme Farallon a été abandonné, ben on a foutu Farallon à moitié à Gorgrond, ce qui fait que c'est beaucoup plus contesté dans Wood. Mais là, on n'est pas dans Wood. Mais vous avez l'esprit de Wood. Enfin, l'esprit originel de Wood. On a aussi la mer de Champignons. On nous évoque le fait que Zang a formé la mer de Zangar lorsqu'il est mort. C'est bien mignon, mais si c'était le cas, bah du coup il y aurait des champignons que vers la mer de Zang, vu que c'est censé être la mégaspore champignon. Mais il y a des champignons absolument partout sur les mers de Draenor, et pas que la mer de Zangar. Comment on explique ça? Et ce qui est d'autant plus débile, c'est que les littoraux sont rouges. Comment les littoraux sont rouges? Surtout au niveau de la mer de Zangar, ça n'a aucun sens. Du coup, l'intérieur des terres devrait être davantage rouge et les littoraux devraient être davantage verts. Là où il y a de la montagne, ça devrait être rouge. Et voir du vert dans les montagnes, c'est pas normal. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que les primordiaux, ils ont gagné. Comment la mer de Zangar, les littoraux de la mer de Zangar devraient être verts? Et c'est d'ailleurs le cas dans Wood. D'où viennent les créatures des... D'où viennent les primordiaux champignons? Ils attaquent le littoral. Donc cette carte, elle est nulle. Enfin, elle est pas nulle, mais elle est hautement critiquable. C'est quand même fou. Enfin bon, c'est pas très grave. Tout ce conflit avec Plante versus Roche, ça sort pas de nulle part, et c'est ça qui est très intéressant. C'est une actualisation du décor de Draenor de Warcraft 2, qui a été développé, hein, Draenor, la planète rouge de Warcraft 2, qui nous montrait déjà une végétation extrêmement hostile, envahissant les bâtiments. C'était la spécificité de Draenor dans Warcraft 2, avec, vous voyez, ces espèces de vignes, ces espèces de lierres qui attaquent les bâtiments. Avec également, eh bien, la végétation qui était très différente. Tous les arbres dans Draenor étaient en fait des champignons, donc il n'y avait pas d'arbres traditionnels. Et on a également le bâtiment, le temple des damnés de Warcraft 2, qui s'appelait déjà dans le manuel de Warcraft 2 le Grombolar. Le Grombolar qui est tout simplement les eaux gigantesques des géants qui jadis parcouraient Draenor.
C'est ça le si vous allez sur le manuel de Warcraft 2, sur mon Discord, dans l'onglet Warcraft, vous pouvez le retrouver en PDF. Il parle déjà du Grumbolard. On a halluciné, enfin j'ai halluciné personnellement quand je suis retombé là-dessus. Et ce qui formera du coup l'origine du Grumbolard. Et donc, eh ben ça sort pas de nulle part. Et c'est là où je trouve que d'ailleurs c'est vachement bien repris dans l'idée. Et il y avait déjà cet aspect des 3 mégasports en fait. Puisque dans le côté végétation ultra agressive, on avait ce que j'aime bien dire les lianes, le lierre et les champignons. Puisque les lianes sortaient sur globalement sortaient sur les littoraux, cette espèce de liane orange beige. Nous avons le lierre, les vignes qui a attaqué les bâtiments en vert, et nous avions les champignons qui étaient la végétation. Et d'ailleurs, on voyait même des vignes qui attaquaient aussi, enfin qui grimpaient le long des champignons. Et donc, eh bien ça, c'est les 3 mégasports. Vous avez Botan, Nahanu et Zang au final. Sachant que ce qui est intéressant en plus, c'est que le code couleur de Farallon qui était prévu, c'était globalement, en fait, c'est les zones de Gorgonde végétale hein, que vous avez. Et c'est quoi? C'est vert et orange, globalement. Et au final, bah, c'est les couleurs des mers. Les mers de Draenor sont vertes dans Warcraft 2. Et le littoral est orange. Et en fait, c'est les couleurs de Farallon. Donc c'est intéressant. Et quand on voit, pour le coup, c'est vrai que là on pourrait dire, ouais, peut-être que c'est un peu de l'interprétation, etc. Quand on voit la référence ultra obscure du Grumbolard, qui est le temple des damnés, qui est vraiment à l'origine des colosses de Warlord of Draenor, je pense que c'est pas du hasard vis-à-vis des zones champignons, etc. Mais c'est là où c'est génial, parce qu'ils sont capables de te ressortir une référence aussi vieille que ça, qui est très bien foutue, et d'un autre côté, complètement zappé que la végétation de Draenor, bah, c'est des champignons. Hein. Donc on les coltine aux mers de Zangar et basta. Ça c'est toujours rigolo, mais j'ai prévu une vidéo là-dessus. Ce sera une vidéo sur Warcraft, enfin, qui parlera de Warcraft 2 dans l'optique de Burning Crusade et de Warlord of Draenor. Mais bon, on y reviendra plus tard. Et donc, eh bien, avec la fin des mégasports, la faune et la flore voient la pression écologique se réduire. Pour revenir un petit peu dans notre contexte, la pression écologique est réduite puisque, eh bien, même si ça reste très très dangereux, hein, les briseurs sont toujours présents, les primordiaux sont toujours présents, on a quand même, enfin je veux dire, les mégasports avant, elles pompaient toute vie, hein, donc on est quand même sur une pression écologique toujours forte, mais pas aussi forte qu'elle l'a été sous l'ère des mégasports. Donc pour la biodiversité de Draenor, eh bien, la sécurité passe par une niche écologique laissée vacante, c'est les airs. Et donc, eh bien, ça va être l'essor des races aviaires que l'on va aborder dans la prochaine vidéo, puisque cette explosion du nombre d'espèces qu'on appelle radiation évolutive en biologie, eh bien, va amener ces créatures à nicher dans la région d'Arrak, où il n'y a pas d'accès facile pour les primordiaux et les briseurs, ce qui fait eh bien, que les premiers êtres sentients aviaires vont pouvoir se développer et émerger. Nous verrons ça dans la vidéo liée tout simplement à l'Empire Apogide ou l'Empire Apex 6 en VO, en version originale. Voilà, j'espère que cette première vidéo d'annexe des vidéos de World of Draenor vous a plu. On va en reparler, de toute façon il y aura plusieurs séries, et comme je le disais, il y aura même des petites vidéos sur Burning Crusade pour voir l'évolution entre BC et Wood. Ça c'est pas vraiment sur l'histoire principale, c'est plus on va dire des vidéos d'anecdotes. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, notamment la vidéo des Apogides. A plus! Oui, salut! En fait, je viens vous voir parce que mon créateur, Grammar, bah, apparemment il m'a donné mon nom parce que c'est un grand fan du Seigneur des Anneaux. Ah ouais, Grond, c'est le marteau de Morgoth. Vous savez, le Seigneur des Ténèbres. Non, pas Sauron, son maître, Morgoth. Puis c'est aussi le bélier qui attaque Minas Tirith. Gronde. Donc, ouais, je suis un peu déçu quand même. Même si c'est classe hein, comme nom. Allez, bisous. Tu mets pas les réseaux sociaux, tout ça, oubliez pas. Hein.